O God, you are my God, for you I long. For you my soul is thirsting. My body pines for you like a dry, weary land without water. So I gaze on you in the sanctuary to see your strength and your glory. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles, je médite sur toi. Toi qui fus mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi. Ta droite me sert de soutien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un d'entre vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Lezing uit het Evangelie volgens Lucas. Jezus vertelde deze gelijkenis. Als een van u 100 schapen heeft en er één van verliest,
Laat hij dan niet de 99 andere schapen in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders. Thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hun: deel mijn blijdschap, want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden. Ik zeg u, zo zal in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Jesus sagte, es wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Jesus said, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Oh, have mercy, God.
prayer will now continue with several minutes of silence. La prière se poursuivra avec plusieurs minutes de silence. Het gebed gaat verder met enkele minuten stilte.
Heer, wij bidden u voor alle jongeren die hier samen zijn in de geest van Thésée. We bidden ook voor hen die niet goed durven naderen. Leid allen door de kracht van uw geest om met kracht en vrijmoedigheid te getuigen van uw liefde rondom ons in ons dagelijkse leven. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui se mettent au service de leurs frères et sœurs défavorisés, pauvres ou malades. Que ta grâce, Seigneur, les pousse à aller vers les plus oubliés de notre société, pour que ton amour puisse transparaître à travers leurs gestes au quotidien. Seigneur, nous t'en prions. Modlimy się za Kościół, abyśmy wszyscy zgromadzili się wokół Ciebie, zjednoczeni w tej samej wierze. Ciebie prosimy. Señor, te pedimos por los responsables de los pueblos, para que tengan la voluntad de promover la justicia y la libertad. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor. For those who are far from home, immigrants, exiles, victims of oppression, for those who are going through trials, who need help and compassion, Lord, we pray. Lord, we pray to you. Herr, wir beten für uns alle, die hier zusammengekommen sind, dass wir in unserer Gesellschaft ein Zeichen der Hoffnung und der Einheit sind und dass wir unsere Herzen immer öffnen für diejenigen, die uns anvertraut sind. Zeer nabij, van alle twijfel uit ons hart. Geef ons grote hoop en groot vertrouwen, dat we met heel ons leven mogen beantwoorden aan wat Gij van ons verlangt. O Seigneur, donne-nous un cœur qui puisse répondre à tout ce que tu attends de nous. Aide-nous à témoigner de ton évangile avec toute notre vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Ieder in zijn eigen taal bidt het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Chacun dans sa propre langue peut prier la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié.
niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Zegen ons, Jezus Christus. Uw liefde is groter dan ons hart. Bless us, Christ Jesus. Your love is greater than our hearts. Bendícenos, Cristo Jesús. Tu amor es más grande que nuestro corazón. Błogosław nam, Jezu Chryste. Twoja miłość jest większa niż nasze serca. Béni nous, Jésus le Christ. Ton amour est plus grand que notre cœur. Het is een plezier voor ons broeders van Thésée om hier in de basiliek van Kögelberg te zijn. Want onze banden met de christenen van Brussel zijn sterk. We zijn het moeie ontal niet vergeten dat de jongeren van de Europese ontmoeting ons enkele jaren geleden in deze stad en in haar omgeving hebben aangeboden. C'est une joie pour nous, les frères de Thésée, de nous trouver dans cette basilique de Kögelberg, car nos liens avec les chrétiens de Bruxelles sont forts. Nous ne pouvons pas oublier le bel accueil offert aux jeunes de la rencontre européenne voici quelques années dans la ville et dans ses environs. Het was eveneens een plezier om dit gebed voor te bereiden met de Nederlandstalige en Franstalige jongerenpastoraal. En in samenwerking met de protestantse gemeenschap van België. En er is nog een andere reden waarom we België dankbaar zijn. Het is het land van oorsprong van de zusters van Sant Andreas, die al 50 jaar meewerken aan het onthaal in Thésée. C'est également une joie d'avoir préparé cette prière avec les pastorales des jeunes francophones et néerlandophones, en collaboration aussi avec la communauté protestante de Belgique. Et pour nous, la Belgique suscite encore une autre gratitude. C'est le pays d'origine des sœurs de Saint-André qui, depuis 50 ans, collaborent à l'accueil à Thésée. Tot slot wil ik kardinaal de Keese, altijd warm en broederlijk, vanuit de grond van mijn hart danken voor zijn uitnodiging. Merci enfin, du fond du cœur, pour son invitation au cher cardinal de Kesel, toujours chaleureux et fraternel. In deze dagen willen we nieuwe wegen van vertrouwen en hoop banen. Waar kunnen we de bron van vertrouwen die nooit opdroogt vinden, als we ze niet vinden in de tederheid van God? Sinds vorig jaar proberen we, aangespoord door Paus Franciscus, beter te begrijpen wat de barmhartigheid van God betekent. Het is de identiteit van God zelf. God is liefde. Ces jours, nous voudrions ouvrir de nouveaux chemins de confiance et d'espérance. Où trouver la source de confiance qui ne tarit jamais, si ce n'est dans la tendresse de Dieu? Depuis une année, entraînés par le pape François, nous cherchons à mieux saisir ce que signifie la miséricorde de Dieu. Elle est l'identité même de Dieu. Dieu est amour. Ik ben deze namiddag rechtstreeks vanuit Rome naar Brussel gekomen. Ik heb het genoegen gehad om vorige week door de paus te zijn ontvangen
En ik was nog maar eens getroffen door hoezeer hij zelf getuigt van de barmhartigheid van God. Aandachtig voor elke persoon, voor elke situatie. Cet après-midi, je suis arrivée à Bruxelles directement de Rome. Il m'a été donné la semaine dernière d'être reçue par le pape. Et j'ai été frappée une fois de plus de voir combien il est lui-même témoin de la miséricorde de Dieu, attentif à chaque personne, à chaque situation. Et maintenant je continue en français, alors c'est plus facile. La belle parabole de Jésus que nous avons lue ce soir dans l'évangile de Luc nous dit que l'amour de Dieu est comme celui d'un berger qui fait tout pour retrouver une de ses 100 brebis qui s'est perdue. Cette brebis est unique à ses yeux. Parce qu'elle s'est perdue, elle compte plus que les 99 autres qui sont restés avec lui. De mooie parabel van Jezus die we deze avond gelezen hebben in het evangelie van Lucas vertelt ons dat de liefde van God als die van een herder is, die alles doet om één verloren schaap terug te vinden uit zijn kudde van 100. Dit schaap is uniek in zijn ogen. Omdat het verloren is, is het belangrijker dan de 99 anderen die bij hem zijn gebleven. Dans notre communauté de Thésée, nous avons quelques brebis. Nous le voyons chaque jour au bord du chemin qui conduit à l'église. C'est la période des naissances. Mais récemment, un des agneaux nouveau-nés s'est pris dans une clôture électrique. Il n'a pas résisté au choc. D'autres agneaux sont nés aussi, mais nous étions tellement désolés par la mort de celui-là que j'ai mieux compris la parabole de Jésus. In onze gemeenschap van Thésée hebben wij enkele schapen. We zien ze elke dag aan de rand van de weg die naar de kerk leidt. Het is de periode van de geboortes en onlangs is een van de lammetjes verstrengeld in de elektrische omheining. Het heeft de schok niet overleefd. Er zijn nog andere lammetjes geboren, maar we waren zo verdrietig door de dood van het ene dat ik de parabel van Jezus nu beter begrijp. Jésus voudrait nous faire découvrir que la tendresse de Dieu est là pour chacun et pour chacune, mais tout particulièrement pour ceux et celles qui se sentent perdus, qui se sont éloignés de lui, ou bien qui ont été blessés dans leur corps ou dans leur cœur par les événements de l'existence. Jésus wilde ons laten ontdekken dat de tederheid van God er is voor elk van ons, maar vooral voor hen die zich verloren voelen, die zich van hem verwijderd voelen of wiens lichaam of hart gekwetst zijn door de gebeurtenissen van het bestaan. Alors il est possible d'affirmer à chacun, tu es aimé de Dieu tel que tu es. Il est tout proche de toi pour toujours. Bien sûr, ce n'est pas un chemin de facilité qui évacuerait toute exigence. Au contraire, accueillir l'amour de Dieu nous encourage à répondre aux exigences de l'Évangile en sachant que la bonté de Dieu ne changera jamais et qu'elle aura le dernier mot. Dus is het mogelijk om aan één ieder te bevestigen. Je wordt bemind door God zoals je bent. Hij is altijd dicht bij jou. Voor altijd. Uiteraard is het geen gemakkelijke weg die je zonder inspanning kan gaan. Integendeel, het ontvangen van de liefde van God is een aanmoediging voor ons om een antwoord te bieden op de eisen van het evangelie. Accueillir l'amour de Dieu nous ouvre à la beauté de la vie. Goûter la beauté à travers la nature, l'art, un regard humain, préserver des moments de gratuité. Sans cela, notre vie se dessèche au point que nous ne pouvons plus rien donner aux autres. Het ontvangen van de liefde van God stelt ons open voor de schoonheid van het leven. Om te proeven van de schoonheid in de natuur,
de kunst een menselijke blik en om momenten die ons zomaar gegeven zijn te koesteren. Zonder droogt ons leven op tot het punt dat we niet meer kunnen geven aan anderen. Accueillons la miséricorde de Dieu, et alors notre cœur s'ouvre à la misère d'autrui, à la pauvreté matérielle comme à toute autre souffrance, aux détresses cachées, celles d'un enfant en peine, d'une famille en difficulté, d'un sans-abri, d'un jeune qui ne trouve pas de sens à sa vie, d'une personne âgée dans la solitude, de quelqu'un qui souffre d'un handicap. Dus opent ons hart zich voor de ellende van de ander, voor materiële armoede en voor elk ander leed, voor verborgen noden, van een kind in nood, een familie in moeilijkheden, een dakloze, een jongere die de zin van zijn of haar leven niet vindt, een vereenzaamde oudere man of vrouw, iemand die onder een handicap leidt. Et cela avec le peu que nous avons, oui, avec très peu, avec presque rien, nous pouvons nous approcher de ceux qui se sentent exclus, qui sont abandonnés au bord de nos routes. En dit alles met het weinige dat we hebben. Ja, met heel weinig, met bijna niets, kunnen we hen die zich uitgesloten voelen, die achtergelaten worden aan de rand van onze wegen, benaderen. Et nous ferons cette découverte qui nous étonne. Les pauvres ont quelque chose à dire. Il s'agit non seulement de les aider, mais de les écouter, de recevoir d'eux. En we doen deze verbazingwekkende ontdekking. De armen hebben iets te vertellen. Het gaat er niet enkel om hen te helpen, maar ook om hen naar hen te luisteren en van hen te ontvangen. Souvent, les plus déshérités par leurs besoins des autres nous entraînent à une générosité qui nous sort de nous-mêmes. Ils nous aident à accepter nos propres faiblesses et notre vulnérabilité. Ils nous apprennent la valeur inestimable de la bonté humaine. Vaak zijn het de meest kansarme mensen die ons, door hun nood aan anderen, meetrekken in een generositeit die ons uit onszelf doet treden. Ze helpen ons om onze eigen zwaktes en kwetsbaarheid te aanvaarden. Ze leren ons de onschatbare waarde van de menselijke goedheid. Et encore plus, ils peuvent nous aider à entrer dans une plus grande intimité avec Jésus, qui était pauvre parmi les pauvres. Nous pouvons servir Jésus en eux. En nog meer. Ze kunnen ons helpen om Jezus nog beter te leren kennen. De armen onder de armen. Wij kunnen Jezus dienen in hen. Je ne peux pas dans ce contexte ne pas parler de l'hospitalité aux migrants. Les Européens auront beau édifier tous les murs possibles, de toute façon, les migrants vont entrer sur notre continent. Les manifestations d'inquiétude ne décourageront pas de quitter leur pays ceux qui y connaissent des situations de détresse intolérables. Ik kan in deze context onmogelijk niet spreken over de gastvrijheid voor migranten. De Europeanen kunnen nog zoveel muren bouwen als ze willen. De migranten zullen ons continent blijven binnenkomen. Deze uitingen van ongerustheid zullen de mensen die zich in hun land in een situatie van ondraagbare ellende bevinden, niet ontmoedigen om hun land te verlaten. Bien sûr, l'arrivée de tant de réfugiés en Europe pose des questions complexes et personne n'a de solution facile. Mais je suis convaincu que nous ne trouverons pas de solution sans contact personnel. Sans de tels contacts, la peur qui est compréhensible risque de prendre le dessus. Natuurlijk stelt de komst van zoveel vluchtelingen in Europa ons voor complexe vragen en niemand heeft pasklare oplossingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij geen oplossingen zullen vinden zonder persoonlijke contacten. Zonder zulke contacten lopen wij het risico dat de angst
die begrijpelijk is, de overhand neemt. À travers de tels contacts peut naître un esprit de fraternité. Il est essentiel qu'un message de fraternité soit adressé aux migrants. À Thésée, nous accueillons deux familles chrétiennes d'Irak et une famille syrienne musulmane, ainsi que deux groupes de jeunes hommes du Soudan, d'Érythrée, d'Afghanistan. Je ne cesse de leur dire, c'est Dieu qui vous a envoyé à nous. Doorheen zulke contacten kan er een geest van verbroedering ontstaan. En het is essentieel dat een boodschap van verbroedering tot de migranten wordt gericht. In Thésée ontvangen wij twee christelijke families uit Irak en een Syrische moslimfamilie. Ook twee groepen jonge mannen uit Sudan, uit Eritrea en uit Afghanistan. Steeds opnieuw zeg ik hen, het is God die jullie naar ons heeft gezonden. Je termine. Aujourd'hui, nous vivons des grandes tensions et des bouleversements dans nos sociétés. Et vous avez fait le 22 mars ici, en Belgique, mémoire des attentats d'il y a un an. Nous étions impressionnés par la solidarité de tous les Belges après les attentats. Et nous prions que cette solidarité profonde continue de unir votre pays et de lutter pour la paix. Ik sluit af. Iedereen herinnert zich 22 maart, de aanslagen in Brussel. Wij zijn blij dat er zoveel solidariteit getoond werd onder de Belgen. En wij bidden dat deze solidariteit verder gezet mag worden. Les bouleversements de nos sociétés sont tels que tous nous devons prendre une décision intérieure forte pour ne pas céder au découragement et ouvrir de chemins de confiance et d'espérance. Quelle décision? Vandaag zijn de spanningen en de omwentelingen van onze maatschappij zo alomtegenwoordig dat wij een krachtige, inwendige beslissing moeten nemen om niet toe te geven aan de ontmoediging en dat wij wegen van vertrouwen en hoop moeten banen. Welke beslissing? Elle consiste pour nous chrétiens à plonger nos racines plus profondément dans la bonne nouvelle de l'Évangile. La foi, la confiance en Dieu ne peut pas être une réalité marginale pour nous. Il s'agit ni plus ni moins de mettre toujours à nouveau le Christ au centre de notre vie. Quel beau projet pour cette fin du temps de carême et pour la semaine sainte sur le chemin vers Pâques. Ze bestaat eruit, voor ons christenen, om onze wortels nog dieper in de blijde boodschap van het evangelie te graven. Het geloof, het vertrouwen in God, mag voor ons geen bijkomstige realiteit zijn. Dat betekent niet meer en niet minder dan dat we telkens opnieuw Christus in het centrum van ons leven plaatsen. Wat een mooi voornemen voor deze laatste dagen van de vastetijd en voor de goede week op weg naar Pasen. Pour affermir notre confiance, osons croire à la force de l'Esprit Saint. Appuyons-nous sur lui, même s'il est invisible. Il est présent en nos cœurs et dans le monde. Laten we het aandurven om te geloven in de kracht van de Heilige Geest, om ons vertrouwen te versterken. Laten we steunen op Hem, ook al is Hij onzichtbaar. Hij is aanwezig in onze harten en in de hele wereld. Et maintenant, je vais passer le micro au cardinal de Kesel, mais je veux aussi remercier tous les évêques qui sont présents à cette prière ce soir. C'est un grand cadeau que nous pouvons prier comme cela ensemble. Cher frère Roger, cher frère Aloïs, si je prends la parole ce soir, c'est simplement pour vous remercier de tout cœur. Je vous ai invité à venir et vous êtes venu directement de Rome et vous avez répondu très vite. On s'est rencontrés encore à la fin de l'année à Riga, en Lettonie, pour le pèlerinage de confiance et vous en avez fait l'allusion.
On s'est vu aussi ici à Bruxelles à la fin de 2008, pèlerinage de confiance ici, dans notre ville, où tant de jeunes, hein, ont été rassemblés ici, dans notre ville et dans notre pays, et nous gardons ce souvenir comme quelque chose de très, très précieux. Ik wil u, broeder Alois, vanavond heel oprecht danken dat u op onze uitnodiging bent ingegaan en dat u hier voor zoveel jongeren bent gekomen. We zagen elkaar ook in Riga en in 2008 waart u hier ook met heel de gemeenschap in Brussel. Ik dank ook frère Etienne, qui est de Bruxelles. Vous êtes chez toi ici. Et frère Jaspers, un tout grand merci d'être venu. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, et beaucoup de jeunes ici présents, mais beaucoup d'autres ici qui ne sont pas ici, les jeunes d'aujourd'hui ne se sentent pas comme ceux qui n'ont pas besoin de conversion, comme Jésus nous le dit dans la parabole que nous venons d'entendre. Ils se posent des questions. Ils se posent des questions, il y a même aussi des incertitudes, beaucoup d'espérance aussi. Ils se demandent, qu'est-ce que je peux faire avec ma vie? Quels engagements peuvent donner sens à ma vie? Et là, je crois que la communauté de Thésée et tout ce que vous représentez est vraiment source d'inspiration, source de soutien pour beaucoup de jeunes ici, dans notre pays, ici en Europe et dans le monde entier. Veel jongeren vandaag, broeder Alois, zijn op zoek. Ze behoren niet tot hen die zeggen, ik heb geen bekering nodig. Ze stellen zich vragen. Wat kan ik met mijn leven doen? Welke engagementen kunnen zin geven aan mijn leven? En hierop geeft de communiteit van Thésée, met datgene wat ze vertegenwoordigt, een antwoord, een steun en een hulp voor zoveel. Ici, dans notre pays, ils sont très nombreux, ici en Belgique, très nombreux. Des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui depuis le début, et surtout depuis le Concile Vatican II, sont et vivent en profonde communion avec la communauté de cet Thésée. Vivre en communion, même quand nous sommes différents, et précisément quand nous sommes différents, chercher l'unité, chercher la fraternité, garder toujours confiance dans la force de l'amour et du pardon, et chercher de vivre dans la simplicité de l'Évangile. C'est le chemin de la communauté de Thésée, et c'est ce chemin que vous ouvrez pour beaucoup, beaucoup de chrétiens aussi qui sont en recherche. Là où ils vivent, et chacun et chacune à sa façon. Et comme vous l'avez dit à la fin de votre intervention, tout cela est l'œuvre de l'Esprit Saint au milieu de nous. En daarvoor wil ik u heel oprecht danken, u en de gemeenschap van Thésée, voor wat u voor zoveel in ons land, jongeren, maar ook degenen die niet meer zo jong zijn, wat u en de communiteit betekenen. Het zoeken naar eenheid en gemeenschap. Ook juist en vandaag zo belangrijk in de verscheidenheid. Geloven in de kracht van de liefde en de verzoening. En een zoeken ook in deze tijd van welvaart naar de eenvoud van het evangelie die ons waarachtige menselijkheid kan leren. Het is de boodschap geweest van Frère Roger. En het is deze weg die de gemeenschap van Thésée voortdurend voor zoveel opent. Et voilà, frère Alois, au nom de tous et de toutes ici présents, et de beaucoup d'autres dans notre pays, je vous remercie de tout cœur pour l'inspiration et le soutien que la communauté des Thésée représente pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui cherchent à vivre et à approfondir leur foi, et à s'engager pour une société plus humaine, plus fraternelle et plus solidaire. Un tout grand merci.
La prière va continuer avec des chants. Il y a des prêtres dans les allées latérales pour tous ceux et celles qui veulent être écoutés ou qui veulent recevoir le sacrement de la réconciliation. Het gebed gaat verder met liederen. Er zijn priesters in de zijbeuken voor een ieder die naar wie geluisterd wil worden of die het sacrament van de verzoening wil ontvangen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
chef de l'ouvrage ici. Oui, oui, mais mardi, on était allé à côté du Havre, regarder nos petits enfants, et le fond est revenu, il était passé 10 heures du soir, donc tout à fait. Ah oui, oui, oui. Bon, on s'était dit qu'on venait ce soir. Ah bah c'est vraiment sympa, c'est vrai. Non, c'était bien, il y avait du monde, hein, je pense. Ah bah j'ai regardé, c'était quand même assez plein. C'était assez plein, ouais, je dirais au moins jusqu'au 4/5 ou 3/4, je sais pas. Non, mais c'est bien. C'était bien, oui, non, c'était bien. Je crois que les effets, quand même, se sont déplacés. Ah, ils se déplacent, hein, oui. C'est toujours impressionnant de se dire que voilà, un ou deux frères de Thésée font déplacer autant de, autant de monde comme oui. ça. Oui, mais oui, parce que c'est. Ah, ils viennent, et puis bon, et après, je vois qu'ils ont été sur le côté, donc c'est quand même assez simple. Oui, oui. Je trouve ça impressionnant de voir qu'ils font déplacer autant de.